have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Then, listen to me. Not them. They were afraid. Like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. She has nothing to fear in her. The gods have saved your mother. Through my hands. You killed her. This is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? It is the way of the gods. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods.
She could fight you! And so you killed her! You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her! You killed her! You are the darkness! The years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you that will destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You can't wish it away. And it will watch as you draw the last dying gasp. I won't let you kill me! Thank you.
On affronte les anciens boss. Simplifier les boss. No, he's here. You took him from me. You have him. Dillion is gone. Dillion is dead. Let him go. For what? What can he do to me that you haven't already? Fight me. You killed your own father. You betrayed the gods in search of Dillion, in search of love. Look what that's got you. Let go of your battle. Let Watch go out. Of redemption. Let go of Dillion. Don't let your darkness hurt anyone else. Watch out. Your battle. Next time. Behind you. Watch out.
Ils sont combien comme ça? Ça commence à devenir compliqué là. Ah, ou alors c'est fait exprès, fallait que je perde. D'accord. Take it!
I'll be a slave for you. I'll fight with you at Ragnarok. I learned the hard way to not be afraid of death, so... Because a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness. Thank you.
Never forget what it is like to see the world as a child suddenly. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. This is where my story once began. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. Et voilà, on a donc fini Hellblade: Senua's Sacrifice. C'était spécial, dirons-nous, comme aventure. Mais intéressant. D'après ce que j'ai lu, ça retranscrit bien ce que peuvent ressentir les gens avec ce genre de maladie. Mais franchement, pour un jeu indépendant, c'est vraiment très beau, très bien fait. Il y a très peu de choses qui vont pas dans le jeu. On a moins de bugs graphiques, mais ça c'est pas très grave en soi. Mais franchement, par contre, c'est très très beau comme jeu. Alors, pour la suite sur la chaîne, du coup, maintenant qu'on a fini ce jeu-là, on va enchaîner avec Uncharted 2, je pense. Ça va changer complètement de style. Mais voilà, on va continuer donc The Nathan Drake Collection avec le deuxième volet de Uncharted. J'aimerais bien aussi avoir vos retours sur le montage qui a été différent de ce que je fais d'habitude. Là, j'ai essayé de faire plus une sorte de série, on va dire, avec des points de coupe choisis et pas attendre d'avoir une pause pour faire une coupe. Donc, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez préféré, si vous avez moins aimé par rapport aux coupes que je fais habituellement. Je pense retenter ça sur Uncharted au moins.
Et puis bah n'hésitez pas évidemment toujours comme d'habitude si vous souhaitez me voir me faire un jeu, une petite perle que je ne connais pas, bah, je suis tout à fait preneur. Je ferai peut-être pas dans l'immédiat mais je les note tous. Et bon je les ferai peut-être pas tous non plus. Mais je regarde au moins tous les jeux que vous me suggérez, voir ce que c'est. Et voilà, on a donc terminé avec Hellblade et Senua's Sacrifice. Si vous faites le jeu, si vous achetez le jeu, vous avez également un documentaire sur Hellblade ici qui est disponible. Et il est conseillé de le regarder après avoir fait le jeu, évidemment, pour ne pas se faire spoiler l'histoire. Donc, je le regarderai sans doute avant la diffusion de cet épisode et je vous dirai peut-être ce que j'en pense dans les commentaires en dessous lors de la sortie de ce dernier épisode. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça change un petit peu encore de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle série. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine.